Twisted Wire Ranch est notre entreprise et nous avons un programme d'apprentissage assisté avec les chevaux à Leading Thunderbridge Lodge. Leading Thunderbridge Lodge est un centre jeunesse de désintox pour les jeunes hommes âgés de 12 à 18 ans. Il cible les jeunes des Premières Nations qui ont des problèmes de dépendance. Les jeunes peuvent venir de partout au Canada, donc ils peuvent venir du Labrador à la Colombie-Britannique en passant par les territoires du Nord, n'importe où au Canada. 90% de ça est un programme d'équitation et les autres LA programmes sont des programmes d'assistance assistée par cheval qui se concentrent principalement sur l'entraînement au sol et sur la relation avec les chevaux. La première journée, nous sommes tous basés au sol pour apprendre à connaître les chevaux et puis à partir de ce moment, tout se déroule à cheval. Les jeunes sont sur le dos des chevaux essentiellement pour les 3 mois de leur séjour. Nous essayons d'établir une relation entre les jeunes et les chevaux qui reflète l'un et l'autre, afin qu'il y ait un terrain commun. Parfois, à mesure que les jeunes progressent dans leurs apprentissages de l'équitation, nous les mettons sur des chevaux plus difficiles. S'ils ont de la difficulté avec un cheval, nous pouvons peut-être le changer de cheval. Donc, nous avons un spectre de chevaux différents dont nous disposons et que nous pouvons utiliser. Les chevaux, ils font ça depuis assez longtemps. Donc, les jeunes viennent, la première chose qu'ils vont faire, c'est toujours d'aller les rencontrer et de les saluer. Le cheval va tourner autour et sentir la personne. Et il peut sentir qui il est. Et j'encourage toujours les jeunes à parler aux chevaux et à s'introduire. C'est vraiment un peu bête, mais en même temps, le cheval a besoin de savoir qui vous êtes au même titre que vous avez besoin de savoir qui il est. Donc, quelqu'un qui est décontracté et quelqu'un qui est énervé, tu peux voir que les chevaux le savent. Mais en même temps, ils sont tellement à l'aise avec ça qu'ils commencent à se détendre et vous allez remarquer que les jeunes vont aussi commencer à se détendre, à prendre une grande respiration, à se calmer et à caresser les chevaux. Ils vont absorber l'énergie et le calme du cheval. Vous ouvrez tout un nouveau spectre quand vous mettez un jeune sur un cheval. Les chevaux sont des animaux de troupe. Ils sont faits pour suivre un leader. Il y a toujours un patron, donc quand on est sur le sol, ils sont toujours en train de suivre les jeunes là où ils ont besoin d'être et à travers leurs défis. Mais la minute où vous prenez ce rôle de leader directement devant eux et que vous les mettez, les jeunes, sur les chevaux, maintenant, ils doivent apprendre à communiquer différemment. Ils ont besoin, à travers leur langage corporel et leurs émotions, lorsqu'ils sont assis là-haut. S'ils sont nerveux, le cheval peut le comprendre. Donc, ils ont à apprendre à maîtriser leurs émotions et à l'exprimer différemment de quand ils sont sur le sol. Cela leur apprend aussi comment travailler en tant que partenaire et leur apprend à travailler avec d'autres personnes et comment ne pas simplement suivre le chef. Cela les fait prendre le contrôle et nous essayons de toucher tous les aspects. Les chevaux et les Premières Nations ont une grande connexion spirituelle entre eux. Comme faire de l'activité physique, c'est très exigeant de monter à cheval. Alors évidemment, émotionnellement, ayant une relation individuelle avec ce cheval et la construction d'une relation et d'un lien avec le partenaire, parce qu'ils le font, ils sont mis au défi. Et chaque cheval est différent. Nous essayons de les mettre en équipe du mieux possible avec un animal qui leur ressemble. Nous nous disons toujours qu'en tant que cavalier, le cheval est un reflet de vous. Nous essayons donc d'avoir cette relation entre le jeune et les chevaux. L'accent mis sur la corrélation entre les chevaux et les Premières Nations. Il existe une grande entité qui est, cela remonte à longtemps, qu'ils ont toujours été connectés, la jeunesse et les chevaux et les animaux. Il y a toujours cette relation que personne ne peut comprendre. C'est juste un lien émotionnel qui existe. Vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer. La minute où ils touchent ces chevaux, ils ressentent la chaleur, ils ressentent les poils et ils savent qu'ils ont un lien avec eux. Il n'y a aucun moyen, j'imagine, de l'expliquer. Je ne sais pas comment. C'est du début à la fin des 3 mois. À apprendre à connaître ces garçons et le fait que beaucoup d'entre eux n'ont jamais touché un cheval. Puis les regarder faire face à des difficultés, avoir des crises. S'ils ont besoin de quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien ce jour-là, et puis vous les voyez parler à leurs chevaux, et tout à coup, c'est comme si tout allait bien pour eux, quand ils arrivent ici pour 2 heures. J'aime entendre des histoires de succès qui sont sorties de la lodge, non seulement à travers les jeunes dans la lodge, ainsi que le programme d'équitation. Je vais les rencontrer dans 4 ans, et ils seront « Oh mon Dieu, Dales, je suis venue au programme » du lodge à cheval et je pense que vous savez, ils ne vont pas nécessairement remonter à cheval après, mais c'est une façon de les atteindre pendant qu'ils sont ici et d'avoir l'occasion d'être autour des chevaux. See them talk to their horses and then all of a sudden it's like everything's right in the world for them when they get here for those 2 hours. I love hearing the success stories that have come out of the lodge, not just through the kids in the lodge, as well as just our horse program. I'll meet them 4 years from now and they're
oh my God, Dallas, I came to the horse program. And I think that's, and you know, they never go on to necessarily ride horses after here, but it's one of those ways of reaching them while they are here and having that opportunity to be around the horses. Pour moi, c'est de se concentrer sur l'être entier. Donc, vous voulez vous assurer qu'il y a un aspect physique aussi bien que spirituel et culturel, et que tous ces aspects sont abordés afin que les gens ont une occasion bien équilibrée de sortir de l'école et qui auront beaucoup de succès. Opportunity to come out of school and be, you know, very successful people. J'espère seulement qu'ils pourront réussir et nous pouvons nous approcher. Ce n'est pas seulement le courant dominant, vous savez, tout est pareil. J'adore donc qu'il aborde ces nouvelles idées afin de toucher ces jeunes et de leur donner davantage d'occasions de s'instruire et de trouver quelque chose qui leur convient. Que vous travaillez sur le tas ou sur le plan académique, ce genre de choses. Get educated and find something that works for them, whether, you know, hands-on work or academically, that type of thing. Offrant différentes possibilités de ne pas simplement intégrer le grand public, assis dans un bureau. Je suppose qu'il existe différents programmes, différentes entreprises en activité. I guess programs out there and businesses running.